C'est un nouveau coup de poignard dans le dos de la famille royale. Lors d'un entretien sur la chaîne américaine CBS, le prince Harry charge les Windsor. Le fils de Charles évoque une famille sans scrupules qui alimente elle-même les tabloïds en rumeurs sur lui et sa femme Meghan. They will feed or have a conversation with the correspondent, and that correspondent will literally be spoon-fed information and write the story. And then at the bottom of it, they will say that they've reached out to Buckingham Palace for comment. But the whole story is Buckingham Palace commenting. Selon le prince Harry, la monarchie refuse ensuite de dénoncer la teneur de ses articles. Entre les lignes, il l'accuse de duplicité. So when we're being told for the last 6 years we can't put a statement out to protect you, but you do it for other members of the family, there becomes a point when silence is betrayal. La famille royale retient son souffle car cet entretien sera diffusé en intégralité le 8 janvier. Et d'autres interviews vont sortir sur la chaîne britannique ITV ou l'américaine ABC. Le prince Harry est dans tous les médias. There has always been this competition between us. Un grand déballage pour un prince en autopromo. Sa biographie doit sortir le 10 janvier. Le suppléant, un titre déjà lourd de sens et 500 pages de révélations. Dedans, il raconte notamment une violente altercation avec son frère William. Celle-ci aurait eu lieu à Londres en 2019 à propos de Meghan Markle. William m'a alors attrapé par le col, déchirant mon collier, et il m'a fait tomber au sol. J'ai atterri sur la gamelle du chien qui s'est brisée sous mon dos, les morceaux me coupant. Je suis resté là un moment, étourdi, puis je me suis levé et je lui ai dit de sortir. Dans ses mémoires, Harry accuse aussi William et Kate de l'avoir encouragé à porter le fameux déguisement nazi quand il avait 20 ans. Harry, éternel second, désormais en exil aux États-Unis, n'en finit donc plus de régler ses comptes. 3 ans après son départ fracassant de la famille royale et 1 mois seulement après la diffusion de sa série documentaire sur Netflix. There was a war against Meghan to suit other people's agendas. It's about hatred. It's about race. It's a dirty game. 6 épisodes d'une heure durant lesquels Meghan et Harry se plaignent de leur traitement par la famille royale et de la violation de leur vie privée par les tabloïds. Chose qu'ils avaient déjà faite il y a 1 an et demi devant l'animatrice vedette Oprah Winfrey. Alors Harry en fait-il trop ? Pourquoi ce déballage constant ? Dans les rues de Londres, l'attitude de l'ancien chouchou des Britanniques agace. J'en ai marre de tout ça. Je suis fatiguée d'entendre parler de leurs problèmes familiaux alors que nous avons tous des problèmes dans nos propres familles. Soyons honnêtes, la seule raison pour laquelle ils gagnent encore de l'argent après s'être installés aux États-Unis, c'est grâce à ce documentaire sur Netflix. Ils n'ont aucune autre source de revenus, ils ne sont plus protégés par la monarchie. 100 millions de dollars avec Netflix, 20 millions pour la publication des mémoires. Critiquer la monarchie, un juteux filon pour les Sussex. Harry et Meghan sont devenus des mercenaires au service de leur carrière médiatique, prêts à tout pour vendre l'image de la famille royale et en tirer profit. Une attitude dont Harry se défend au micro de CBS. Une critique revient souvent à votre encontre. Vous êtes parti en Californie, vous vous retirez de la famille royale. Alors pourquoi déballer toutes ces rancœurs en public ? And every single time I've tried to do it privately, there have been briefings and leakings and planting of stories against me and my wife. You know, the family motto is never complain, never explain, but it's just a motto. Avant même sa sortie, alors qu'elle est en précommande, l'autobiographie de Harry est déjà en tête des ventes au Royaume-Uni. Les Britanniques, très critiques contre le prince, continuent pourtant de se passionner pour les croustillantes histoires de famille des Windsor.